gis ngeen yu melni ndala dañ ko def ñew diko teumbal ci bir geejgi pour que jeen yi meuna am ay beurep yo xam fa lañuy xawa laq tuti pour man di nen di meuna multiplier wu xam ngeen ni Senegal day dekk bo xamni ma sha Allah amone ci walu nap dafa amone doole lol ba legi amna ko sax mais li nap nak buñ koy wax moy am geejgu ñong ci walu production manam beuri jeen agressé nañ geejgi nak ba nga xamni fiñ tol jeen yi ñepp xam nañ wañeeku na ah wañeeku liko indi moy nap bi dafa dem ba pression bi ëpp lol ci ressource bi légui nak action yi démé ni day permettre que jeeni mëna am ay fuñu mëna laq mëna nen mëna yok donc air marine protégée def liggéey bu rafet fi ci ndar mu am action yi am côté yo xam dañ nan ci nañ ko bay mu noppaliku yoy nak bu féké ay agent de l'état dañ ko def en collaboration avec ay citoyens sénégalais moy acteur de la pêche dana jaadu ñun ñi nga xam ñoy représentant dañ ñoo féliciter leen remercier leen encourager leen surtout pour action yi démé ni lol dal moy solo déplacement bi tay di lan sant deen gërem content également ci collaboration ñi nga xam ñew nañ fi gis ngeen fi sapeur pompier ñoo ngi fi pour sécurité bi wa CLPA mo ngi fi air marine protégée ñepp ngi fi ñaan yalla li nga xam ñong koy def muy don des actions répétées pour ñariñu Sénégal yépp sommes là pour aller faire ce qu'on appelle l'immersion de récifs artificiels et ces récifs artificiels entrent dans le cadre de la restauration des habitats au niveau de l'air marine protégée de Saint-Louis. Vous savez, un de nos objectifs au niveau de l'AMP, c'est de conserver mais aussi restaurer les habitats pour que les poissons et toutes les espèces qui étaient là puissent revenir. Parce que l'intérêt aujourd'hui de ces récifs artificiels, c'est de permettre à une reconstitution un peu de la chaîne alimentaire qui était là. Ginaaw suba tam ñu continuer diko def danaka 400 récifs lañu prévoir pour dougal ko ci biir geej gi comme niñ ko defewon en 2009.